vous êtes présidente du conseil d'administration à Outlis. Est-ce que vous pourriez nous décrire le réseau de transport de Lisbonne et aussi nous expliquer ce qu'est Outlis? Le système de transport de Lisbonne et de la région métropolitaine sert une population de 3,5 millions d'habitants et sert aussi plus de 5 millions de voyages motorisés par jour. Dans le système, on a le métro avec 5 lignes, 55 stations. On a les bus, on a le train suburbain et régional. On a aussi le tramway, on a aussi le métro léger. Et on a des funiculaires et des ascenseurs et beaucoup de choses. On a un système aussi tarifaire qui était à la base intermodal, qui est très complexe, qui a plus de 3000 tarifs. Et il faudrait avoir un système sans contact qui pourrait couvrir toutes ces situations. On existe depuis 1996 pour faire le développement et la gestion de tout ce qui est l'interopérabilité billettique de la région. À la base d'Outlis, dès le premier moment, sont sept opérateurs, les plus importants opérateurs de transport, qui ont mis en commun leur savoir et leur capacité pour donner du service à tout le monde. Bien sûr, ça serait très difficile si on n'avait pas Calypso, parce que Calypso nous a facilité la vie. La billettique de Lisbonne, en ce moment, ce n'est pas seulement la billettique de la région de Lisbonne. C'est déjà une billettique qui va au-delà et qui couvre vente d'entreprises de transport, des opérateurs de stationnement et aussi des opérateurs de multiservices. Alors, nous sommes satisfaits parce d'une forme assez naturelle. On veut nos services et les entreprises naturellement adhèrent au service Viva. Le système Viva, son nom s'est basé à la carte Lisboa Viva, qui est la carte à puce personnalisée, qui est la base du système. Combien de cartes il y a dans les mains des clients? 1,7 million de cartes qui sont cartes sans contact, qui tous les jours sont utilisées dans les systèmes. Il y a les réseaux de vente des opérateurs, mais il y a aussi des réseaux de vente Viva. On a commencé par le système ATM, qui est le système de guichet bancaire. C'est un système qui existe depuis 2004. Je peux dire que a été un grand succès. En ce moment, il y a une quota de marché de plus de 15% dans les ventes de toute la région. Il est partout. Il est partout, accessible aux cartes personnalisées, aux cartes Lisboa Viva. Il y a aussi des systèmes plus récents parce que Outlis cherche toujours à faire du développement. On a développé le portail Viva. On donne aux clients des informations sur la région, bien sûr, et aussi on lui permet de demander des cartes par Internet et de charger des cartes. Quels sont les futurs projets et innovations d'Outlis? On a tellement de choses, mais des orientations plus importantes qui on suit depuis des années, mais qui va se voir cette année et l'année prochaine, c'est mettre le système Viva et les cartes Viva dans les portables des gens. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que tout le monde veut, mais que seulement quelques-uns vont faire. Et Outlis va faire ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentina. C'était un plaisir.